What's up tout le monde, coach Sam pour Politique. Aujourd'hui, je réponds à une question très 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 fréquente qui est: Sam, qu'est-ce que je fais si j'aime pas ça manger des légumes? Comment je peux en manger plus? Et ça m'arrive vraiment souvent de me faire poser ça. Et vous devriez savoir l'importance de manger plus de légumes parce que c'est rempli de vitamines, de minéraux, c'est bon pour votre gestion, c'est bon pour faire des beaux petits caca, c'est bon pour faire tellement de choses dans votre système. Et il y a beaucoup de gens qui manquent malheureusement de légumes dans leur alimentation. Donc j'ai décidé de vous donner comme 4 petits trucs pour vous aider à justement manger plus facilement des légumes, à augmenter vos portions dans votre journée. Donc numéro 1, c'est assez simple, savoir comment cuisiner vos légumes. Bon, je comprends que c'est plate de temps se dire, bon, poulet brocoli, de manger des brocolis stimés, de manger des fèves cuites ou de piger dans une salade plate. Je comprends qu'à long terme, c'est plate, c'est récurrent, puis c'est difficile de vouloir en manger plus quand on mange comme ça. Fait que simplement savoir comment cuisiner vos légumes un petit peu, je parle de faire une omelette, de mettre des champignons, de mettre des tomates, de mettre des épinards à l'intérieur, de rendre ça savoureux, de vous faire un potage, une soupe, d'avoir quelque chose qui est intéressant pour vous, puis de mettre le nombre de légumes que vous voulez là-dedans, ça va être beaucoup plus facile que de manger des légumes secs à journée longue. Truc numéro 2, savoir varier. On dirait dans le monde du fitness, c'est récurrent de dire, bon, il faut manger la même affaire, des légumes verts, regarde, je suis d'accord, c'est plus fibreux, il y a moins de calories, fine. Mais tout le temps de manger des brocolis, tout le temps de manger des fèves, c'est long, c'est récurrent, c'est plate. C'est plate, vous allez abandonner là-dedans, vous allez juste dire, fuck off, je veux pas en manger plus. Donc, vous devez être capable de varier, vous donnez des petits défis à chaque semaine, votre changer d'aliments. Une semaine, ça peut être des asperges, l'autre des choux de Bruxelles, je vais me faire plus de salade une semaine. Pour vous, c'est important de rester motivé puis de garder votre focus sur le fait que faut que votre assiette soit intéressante. Mettez-y des couleurs, mettez-y de la variété. C'est comme ça que je pense que vous allez réussir le plus sur le long terme. Truc numéro 3, si vous êtes pas capable de manger plus de légumes, si vous êtes comme moi, ma blonde c'est content que je les sens en ce moment, que je suis un difficile, que j'ai de la misère à varier, vous devez trouver un moyen pour augmenter au moins l'efficacité avec les vitamines, les minéraux à l'intérieur, et c'est là qu'on peut se rajouter un supplément de greens. Là, j'entends déjà parler, ouais, mais les greens, ça goûte le cul. C'est vrai, en général, ça goûte vraiment le cul, mais ici, j'ai une marque qui est celui de B&E Advantage. Ils ont aussi des saveurs à l'intérieur. Celui-là, ici, j'ai un canneberge framboise et honnêtement, ça goûte le jus. Sinon, mélangez-les avec des BCAA. Faites-vous un shake avec des petits fruits avec ça à l'intérieur. Mettez-vous de la gluten. Tu sais, mettez, encore là, on revient à la variété, mais mettez quelque chose d'intéressant dans votre shake pour que ce soit intéressant pour vous avec ça. Mais des greens, c'est probablement la façon la plus facile pour vous de boire vos légumes, vos vitamines, vos minéraux. C'est pas la même chose à 100% que des légumes, mais c'est tellement similaire, vous allez tellement trouver des bienfaits à en prendre. Mon énergie, c'est meilleur, ma digestion est meilleure. Donc, si vous n'êtes pas capable de manger plus de légumes, faites ça. De mon côté, j'essaie de manger 2 à 3 tasses de légumes par jour au moins, et je vais prendre 1 à 2 scoops de greens par jour pour au moins manger la quantité de légumes que je devrais manger. Et numéro 4, finalement, regardez, si tout ça marche pas, vous n'êtes pas capable de varier, vous n'êtes pas capable d'en manger plus, vous n'êtes pas capable de prendre des greens, mais au lieu de manger vos légumes, pourquoi est-ce que vous les boiriez pas? Vous avez sûrement déjà vu avec moi une recette de shake que je fais qui est vraiment super, super intéressante. On mélange un demi-avocat, on mélange des épinards, ça peut être autre chose, mais moi je suis très épinard, ça peut être du kale. Mettez les petits fruits que vous voulez, moi je mets un petit mélange de fruits pour rendre ça intéressant encore une fois. De mon côté, je rajoute une mesure de greens parce que j'en veux encore plus aussi. Et je mets de la protéine, saveur au choix, moi je suis vanille aujourd'hui. Donc ça me fait un shake qui est goûteux, j'ai une tasse et demie d'épinards là-dedans. L'avocat qui est un légume en même temps, oui, une sauce de gras, mais qui est un légume encore une fois, j'ai des greens. Donc juste là, et je commence mon matin souvent avec ce genre de shake-là, je viens de me booster mon système avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines et minéraux, avec des films, et ça va m'aider pour le reste de ma journée. Et même des fois, j'en prenais 2 fois par jour. Vous devez vous trouver des trucs pour que ce soit simple. Donc si c'est pas les 3 premiers trucs, faites-les simplement en les buvant avec un shake aussi intéressant que ça. C'est délicieux. Trouvez votre petit mix que vous trouvez plus intéressant de votre côté et je suis sûr que ça va vous aider. J'espère que ça a été 4 trucs utiles pour vous et j'espère que vous voyez l'importance de manger plus de légumes également. C'est bon pour vous, c'est bon pour vos caca, c'est bon pour votre shape, mais surtout c'est bon pour vos résultats. Guys, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, sinon on se voit prochainement pour une prochaine capsule. Ciao guys! Yeah. Fuck. Yeah.